Je vous propose une recette auvergnate, c'est la planquette de poulet au bleu. Cette recette est tirée du livre Frenchy Chicken, écrit par Mireille Sanchez et mise en vidéo par votre serviteur. Vous pouvez la retrouver en anglais. Blue Cheese Blanket Recipe. Pour 6 personnes, il me faut un poulet fermier, du bleu d'Auvergne bien évidemment, des échalotes, de l'ail, du céleri, un bouquet garni, de jolies carottes colorées, du bouillon de volaille, du vin blanc, du beurre, des champignons, et comme le Frenchy Chicken suit les saisons, je suis allé les ramasser en forêt. Allez, tout de suite la recette. Dans une sauteuse, je vais fondre la moitié de mon beurre et je commence à faire rissoler mes morceaux de poulet 5 minutes de chaque côté. Au bout de 5 minutes, j'ajoute les échalotes émincées, l'ail grossièrement ciselé et le céleri coupé en petits tronçons. Je mélange et je laisse cuire 5 minutes. Je coupe juste les carottes oranges en lamelles, je réserve les multicolores et je les rajoute avec le bouquet garni dans la sauteuse. J'arrose de vin blanc et de bouillon, je sale et je poivre et je laisse mijoter 40 minutes. Pendant que ça cuit, je fais sauter mes champignons dans le reste du beurre, je réserve au chaud et je fais cuire mes carottes colorées coupées en deux dans un petit peu de bouillon de volaille. Le poulet est cuit, je retire les morceaux et les carottes de la cocotte. Je prélève 20 cl de jus de cuisson. Ces 20 cl, je les fais bouillir. Je coupe mon bleu d'Auvergne en gros dés et je les incorpore dans mon jus bouillant. Je laisse bouillir 10 secondes et je retire du feu. Je mixe aussitôt avec un mixeur plongeant. Je rectifie l'assaisonnement en sel et en poivre. Et je remets à bouillir 1 minute pour obtenir une belle sauce onctueuse. Pour servir ma blanquette, je commence par disposer quelques morceaux de poulet dans le fond de la cocotte. Je rajoute des champignons et les carottes. J'arrose de sauce bien chaude. Je remets une couche de poulet, de carottes et de champignons. J'arrose à nouveau de sauce et je dispose harmonieusement mes carottes colorées. Je rajoute du persil plat. Et ma blanquette de poulet au bleu d'Auvergne est prête à être dégustée. C'est un vrai régal que je vous conseille d'essayer. Merci d'avoir regardé. Flashez le code QR, comme ça vous pourrez profiter des recettes vidéo. Just flash to watch.